Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Info. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à tous. Burkina Faso, les locaux de la gendarmerie et de la police de Solenzo dynamités. La gendarmerie et la police de Solenzo dans la boucle du Mouhoun ont été attaqués dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 août 2022, selon nos confrères des AIB qui informent que leurs locaux ont été dynamités. Dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 août 2022, les locaux de la gendarmerie de la police de Solenzo dans la boucle du Mouhoun ont été la cible d'attaques d'hommes armés écrites par AIB. Selon nos confrères, les tirs ont débuté vers 21h et une détonation a été entendue autour de 22h, informant qu'il y a eu également une coupure de courant qui a plongé la ville dans une sécheresse totale. Le Burkina Faso est confronté à des attaques armées depuis 2015 qui ont fait plusieurs morts civils et militaires, des blessés et plus de 2 millions de déplacés internes. Eh bien les amis, restez scotchés pour en savoir plus sur cette attaque qui a eu lieu dans la ville de Solenzo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bye bye.